Voilà, bienvenue pour ce culte ce matin encore où nous voulons nous réjouir dans la présence du Seigneur. Amen. Malgré le froid, malgré le vent, ça souffle un peu, ça nous rafraîchit, mais là on va se réchauffer dans la présence de Dieu. Vous allez bien ? Est-ce que vous allez bien ? Ah, je vous vois mieux là maintenant. Est-ce que vous pouvez vous lever ? On va se lever ensemble pour prier le Seigneur et glorifier son nom. Alléluia. On veut se réjouir dans sa présence. Est-ce que votre cœur est là pour vous réjouir ? Est-ce que vous avez envie de le célébrer ce matin ? Alléluia. Recevoir de sa part aussi, non simplement lui faire monter notre reconnaissance, mais recevoir de sa part ses bontés, ses grâces et tout ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Je vous invite à le prier, à demander tout simplement à Dieu de conduire ces instants déjà, de les diriger, que la paix de Dieu puisse nous toucher encore ce matin, que sa présence puisse nous visiter et que nous puissions vivre des moments intenses avec lui. Amen. Est-ce qu'on élève notre voix ? Qu'est-ce que vous voulez lui demander ce matin ? Est-ce que vous avez quelque chose à lui demander ? Vous n'avez rien à lui demander ? Vous savez, si vous n'avez rien à demander, Dieu ne donnera rien. C'est le principe, hein ? La Bible nous dit que celui qui demande, il reçoit. Alors si tu as quelque chose à demander ce matin, un peu de grâce, un peu de bonté, un peu de vie, alléluia, eh bien le Seigneur va donner ces choses avec abondance. Prions le Seigneur ensemble et commencez simplement à lui dire, Seigneur, ce matin, nous voulons te laisser toute la place. Nous voulons que tu viennes dans ce lieu. Nous venons pour t'honorer, pour te célébrer, mais nous venons aussi pour recevoir de toi. Tu es le Dieu qui va répandre encore tes bénédictions, tes grâces, ton action. Seigneur, nous voulons nous rassembler, comme la Bible dit, pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. Alors pour cela, nous sommes obligés de mourir à nous-mêmes, nous sommes obligés de mourir à notre caractère, afin de laisser ton esprit se manifester, agir, œuvrer avec puissance. Seigneur, à toi, toute la gloire, et que tu puisses tout simplement dans ces moments recevoir la louange, l'adoration, dans le nom de Jésus. Amen.
chanter et déclarer ensemble toute louange. Alléluia Seigneur. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange. Toute louange. J'aimerais inviter les aînés, parce que du coup on a un chant qu'on chantera tous ensemble. Donc du coup, pendant que nous prenons ce deuxième chant, n'hésitez pas à venir devant. Et voilà, donc on chante ensemble ce deuxième chant. Tu transformes ma l'eau en vin, tu touches à les yeux de ta main. Les aînés, venez, prenez place. Les jeunes aussi, qui étaient là hier. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Comme toi. Tu transformes ma l'eau en vin. Touche à les yeux. Tu brilles, tu nous redonnes
rajouter une chorale ce matin. Juste pour un chant, hier on était plus d'une cinquantaine avec les aînés, les ados, les jeunes. Et on s'est vraiment réjouis d'une super après-midi. C'était bien ou pas? C'était bien ou pas? Pas que les crêpes, hein. Moi j'étais choqué. Qu'est-ce qu'ils mangent comme crêpes? Ah, j'étais presque choqué, hein. Ah ben il va falloir qu'on rachète des crêpières, hein, du coup, hein, parce qu'on en aura pas assez pour faire pour tout le monde, hein. Mais c'est bien, ça vous a réjoui, on s'est réjoui, les ados, les jeunes étaient vraiment contents. Et puis on a pensé que ça aurait été bien de pouvoir faire un chant qu'ils ont chanté justement, interprété hier. Et on s'est dit, bah, ça serait bien qu'on le fasse aussi ce matin. Alors on leur laisse la place pour ce moment convivial aussi. Rempli d'espérance, car il n'y a personne.
Seigneur, de tout ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. Je ne peux rester la bouche fermée, Seigneur, face à ta grandeur, face à tout ce que tu fais, Seigneur, tout ce que tu accomplis, Seigneur. Sois élevé encore, ô Dieu, ce matin. Sois béni, Seigneur. Sois émerveillé. Sois élevé, Seigneur, ô Dieu. Nous voulons encore t'adorer ce matin. Alléluia, Seigneur. Tu fais de grandes choses, Seigneur. Tes œuvres sont glorieuses. Alléluia, Seigneur. Sois béni. Sois béni, Seigneur. Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Te bénissons encore, Seigneur, oh Dieu. Nous élevons, Seigneur, ton nom, Seigneur, oh Dieu. Alléluia, Seigneur. Te dire merci, Seigneur, mon Dieu. Merci, juste te dire merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Je ne suis rien, Seigneur, oh Dieu. Je ne suis rien, Seigneur. Je viens encore, Seigneur, m'humilier devant toi, te dire merci, Seigneur, oh Dieu, pour cet amour, Seigneur. Cet amour incommensurable, Seigneur. Cet amour, Seigneur, qui ne dépend pas de qui je suis, qui ne dépend pas, Seigneur, des circonstances. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes bontés. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Louons-le ensemble ce matin. Ne nous attendons pas les uns les autres. Célébrons-nous tous, célébrons-le tous ensemble. Glorifions son nom. Alléluia. Dans une louange collective, fais monter ton action de grâce, ton amour pour Jésus. Dis-lui simplement merci ce matin. Merci pour sa présence dans ta vie. Célèbre-le, glorifie-le. Alléluia. Oui, puissant est son nom encore ce matin pour bénir ta vie, pour te visiter, pour t'apporter les grâces dont tu as besoin. Puissant est son nom. Proclame-le ce matin. Proclame son nom. Alléluia. Oh, il est merveilleux. Adore-le, adore-le. Célèbre Jésus. Jésus, 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 Jésus
Sois béni, Jésus, sois glorifié. Adorez-le, célébrez-le, glorifiez son nom ce matin. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Alléluia, c'est lui qui vient dans ta vie pour te bénir. C'est lui qui vient glorifier son nom dans ton existence. C'est lui qui vient toucher ton cœur, ton corps et ton âme. Oh, célèbre-le. Toi qui peut-être n'as jamais eu l'occasion d'ouvrir ta bouche, peut-être craintif, timide, élève ta voix ce matin. Élève ta voix là, dans la communion fraternelle avec tes frères et sœurs. Adore Jésus. Célèbre-le. Alléluia. Prends la victoire dans la louange ce matin. Viens remporter la timidité qu'il y a peut-être sur ton cœur, la crainte qu'il y a d'ouvrir ta bouche. Proclame-le. La Bible nous dit que c'est en proclamant que tu obtiens la vie. Alors proclame la vie ce matin. Alléluia. Proclame la vie ce matin. Oh, tu es merveilleux, Jésus. Je suis à toi.
Prenons un moment ce matin dans la prière. Nous sommes dans une période de fête. Chaque année, les uns les autres vont se retrouver, peut-être en famille, avec des amis. Est-ce qu'on pourrait avoir un moment de prière pour cela? Afin que nous puissions placer entre les mains de Dieu ces temps qui vont arriver prochainement. Que ce ne soit pas des temps où, dans les familles, il puisse y avoir des tensions, des disputes, mais qu'au contraire, ce soit des temps apaisés, des temps où les enfants de Dieu pourront communiquer la grâce et l'amour de Jésus. Prions aussi peut-être pour ceux qui seront seuls dans ces moments, parce que loin de leur famille, loin de leurs amis, que les uns les autres puissent se trouver ensemble, s'inviter mutuellement, passer un moment ensemble. Que ce soit en tout cas l'occasion de manifester que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Que ce soit l'occasion où nous pourrons manifester cette saveur que nous pouvons apporter à ce monde. J'aimerais vous inviter, si bien vous qui nous suivez sur Internet que vous qui êtes là en présentiel ce matin, prenons un moment ensemble. Élevons notre voix, prions le Seigneur. Prions pour ces temps, prions pour ces moments, prions pour ces instants. Alléluia. Ces périodes de Noël, ces périodes de fin d'année, prions pour nos familles, pour ceux qui ne connaissent pas encore peut-être le Seigneur, que ce soit l'occasion qu'ils le découvrent, qu'ils le connaissent. Ces fêtes comme nous allons les passer ici. Prenons un moment dans la prière parce que nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, nous voyons tellement de gens et tellement de pays qui sont en guerre, en conflit, dans l'hostilité. Apportons nos bien-aimés qui sont dans ces différents pays, que le Seigneur puisse les toucher aussi. Pensons un moment à eux également, que Dieu puisse leur faire grâce. Voyons ce qui se passe dans différents pays du monde. Et certains ne pourront pas célébrer à cause de ces événements tragiques qu'il y a aujourd'hui, que Dieu puisse leur faire grâce. Et je crois que l'Église, la Bible nous dit, est appelée à intercéder, à prier pour ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont dans la persécution, ceux qui sont dans des moments difficiles. Prenons quelques instants et élevons nos voix ce matin aussi.
pour ceux et celles qui sont là dans ces combats, dans ces luttes, dans ces moments difficiles qu'ils subissent au quotidien. Que Dieu vienne restaurer également les familles qui sont endeuillées, les familles qui ont des blessés, les familles qui vivent ces tragédies au quotidien. Que Dieu puisse faire grâce et que Jésus puisse se révéler à leur cœur comme étant le divin médecin, le consolateur et le sauveur de leur vie. Merci Jésus. Tu es la réponse, Seigneur, au fléau. Tu es la réponse aux luttes, aux combats, aux conflits. Tu es la réponse. Dès qu'il y a un manque de paix, tu es la réponse. Viens toucher, Seigneur, ces amis. Viens toucher ces hommes, ces femmes dans la souffrance. Seigneur, c'est un privilège que nous avons aujourd'hui d'être encore là, dans ce pays, pour pouvoir librement te célébrer. Il y en a tellement qui ne l'ont pas, Seigneur. Les apporterons pour que tu puisses leur faire grâce et que tu puisses simplement te révéler, te manifester auprès d'eux, comme tu l'as fait un jour auprès de nous. Seigneur, va toucher ceux qui sont dans la détresse aujourd'hui, ceux qui sont dans l'affliction, ceux qui sont dans la peine, ceux qui ont perdu des êtres chers, ceux qui ont besoin de consolation, qui ont besoin de faire leur deuil. Seigneur, viens, Seigneur, remplir les cœurs de ta présence, combler les cœurs de ta présence. Viens faire du bien. Oh, merci Jésus. Alléluia. Que tu t'es révélé.
Dieu, ta grandeur, Seigneur. Déclarer, Seigneur, encore ce matin, Seigneur, combien tu es grand dans nos vies, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons croire, Seigneur, oh Dieu, et le dire, Seigneur, avec la foi, Seigneur, oh Dieu, que tu es grand, Seigneur, que tu agis encore, Seigneur, oh Dieu. Alors nous déclarons, Seigneur, un alléluia, Seigneur, oh Dieu, avec foi, Seigneur, qui vient de nos cœurs. Alléluia, Seigneur. Ce matin, Dieu n'est pas mort dans ma vie, il est vivant. Est-ce que tu peux le proclamer? Dieu n'est pas mort dans ma vie, il est vivant. C'est lui qui aura le dernier mot. Alléluia. C'est lui qui aura le dernier mot. C'est lui qui me soutient. C'est lui qui me supporte. C'est lui qui m'encourage. C'est lui qui me fortifie. Alléluia. Non, Dieu n'est pas mort. Je le proclame. Il est vivant d'éternité en éternité. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. J'invite à reprendre place. Merci pour ces temps de louange, ces temps de célébration, d'adoration. On est heureux d'être ensemble et de pouvoir voir Dieu tout simplement se manifester dans nos vies. Alléluia. Nous sommes réjouis hier encore dans cette journée avec les ados, avec les jeunes, avec les seniors, d'être là et de pouvoir participer à ces moments. Oui, comme ils l'ont chanté, jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Amen. Et c'est bon de voir cette communion fraternelle. Il y a eu des témoignages, des chants. C'était vraiment super. Vendredi soir également, les jeunes ont fait le premier... ont fait un gala pour... comment vous avez appelé ça? MCE. Un incroyable talent. Vous n'avez pas été un peu inspiré par quelque chose, non? Ou, hein? En tout cas, ça, c'était aussi incroyable parce que ça permet de voir que vous avez des gens, des jeunes et des moins jeunes qui sont insignifiants dans l'Église.
voyez, ils ne sont pas là pour se faire montrer, ils ne sont pas là pour se faire voir. Puis vous les retrouvez à un moment donné sur scène. Et là, ils font juste un truc incroyable. Vous dites, waouh, je ne savais pas qu'un tel, une telle avait tel talent, telle capacité, tel don. C'est juste vraiment formidable. Et ça, moi, ça me réjouit de voir la diversité qu'il y a dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Toute cette diversité, de voir des hommes, des femmes, des gars, des filles qui ont tout simplement à cœur d'apporter ce que Dieu leur a donné. C'était vraiment exceptionnel. J'en profite que nous sommes sur Internet encore là maintenant pour faire une ou deux annonces pour indiquer que dimanche prochain, nous n'aurons pas nos deux cultes à 9h30 et 12h30, mais nous aurons simplement un seul culte à 10h, le dimanche 24 et le dimanche 31 à cause des fêtes. Beaucoup sont en congé, en vacances, certains veulent préparer Noël, etc. On le comprend, donc nous avons décidé de faire simplement donc un seul culte, le 24 et le 31 à 10h. Et dimanche prochain, nous aurons un service de baptême. Donc ça sera un dimanche où nous allons proclamer l'évangile. Alors n'hésitez pas, invitez vos amis, invitez vos voisins, invitez vos familles, invitez ceux qui peut-être seront là pour la période de Noël et qui n'ont jamais eu l'occasion de venir dans une église. Nous aurons, je crois, peut-être 6 ou 7 baptêmes dimanche prochain encore. Et on veut vraiment se réjouir. Je crois qu'on a 3 gars, 3 frères, 3 ou 4 sœurs. Et on veut vraiment se réjouir d'entendre là encore les témoignages de ceux et de celles qui, ces derniers mois, ont donné leur vie à Jésus-Christ. Amen. Et ce n'est pas fini parce qu'il y en a d'autres pour le mois de janvier, février, mars. Et je me réjouis vraiment de voir ce souffle de l'esprit qu'il y a actuellement et de voir autant d'hommes et de femmes, des jeunes et des moins jeunes, eh bien, qui font des expériences avec Christ. C'est vraiment, vraiment, vraiment encourageant et formidable de voir que Dieu, oui, il n'est pas mort. Il agit encore aujourd'hui. Et il sauve des hommes et des femmes de toute race, de tous niveaux sociaux, de tout endroit, peu importe notre vie, peu importe. C'est juste incroyable. Hier, il y a eu des témoignages qui ont été apportés aussi auprès des seigneurs au travers de cette rencontre-là qui était intergénérationnelle. Et c'est incroyable de voir qu'il y a un des témoignages chez un jeune d'ici, issu d'une famille chrétienne. Voilà, il a été éduqué dans la foi et dans la vie chrétienne. Et puis, il a apporté son témoignage. On s'est vraiment réjoui de l'entendre. Et on a vu comment Dieu l'avait touché. Et puis, juste après lui, il y avait un autre jeune. Aucune éducation, famille monoparentale, versé dans la drogue, dans l'alcool, dans toutes sortes de choses. Et là aussi, ce même garçon a été touché par Jésus. Et c'est incroyable de voir que Dieu aime aussi bien les uns que les autres et attire aussi bien les uns que les autres à son royaume encore aujourd'hui. Et nous bénissons Dieu de voir, parce que dans les deux cas, c'est un miracle. Dans les deux cas, c'est un miracle. Parce que ce n'est pas un gage d'être issu d'une famille chrétienne, de s'engager forcément avec Christ ensuite. Et ce n'est pas un gage non plus que d'être des fois dans cette vie de tourment et de vivre des choses tellement gravissimes qu'un jour on puisse rencontrer le Christ également. Mais dans les deux cas, c'est un miracle. Et dans les deux cas, nous voulons bénir Dieu de ce qu'il fait, de la manière dont il touche des hommes et des femmes. Alléluia. Donc voilà, je vous rappelle simplement, dimanche prochain, 24 et 31, un seul culte. Donc ça veut dire que la retransmission également ne sera pas à 9h30, mais sera à 10h. Voilà. Et puis je vous rappelle également que le 31, nous aurons, comme nous l'avons fait l'année dernière, un temps de célébration. Nous aurons toute une rétrospective de l'année 2023 en vidéo que nous sommes en train de préparer. Je vous invite vraiment à être là. Vous pouvez contacter Darly également pour pouvoir vous inscrire à cette longue veille, un temps de réjouissance. On commencera à 22h et nous irons jusqu'à minuit. Et ensuite, vous pourrez apporter, bien comme on l'a fait l'année dernière, des choses à manger, à boire, à partager ensemble. Et puis ensuite, eh bien, nous laisserons aussi les locaux ici pour les jeunes, pour qu'ils puissent continuer aussi à se réjouir aussi et à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire quand ils sont ensemble, des jeux et toutes sortes de choses. Alors voilà, si vous voulez venir, inscrivez-vous auprès de Darly afin que nous puissions
voir qui apporte quoi et que nous puissions organiser un petit peu ces moments. L'année dernière, on s'est vraiment réjouis de voir qu'il y avait autant de monde et que le Seigneur eh bien, était celui qui a réjoui encore nos cœurs et nous voulons honorer le Seigneur. Pourquoi nous faisons ce moment ? Ben, nous le faisons parce que nous voulons passer 2023 à 2024 dans la présence de Dieu. À le louer simplement, à le célébrer pendant un moment, à le prier, pour être tout simplement reconnaissant et puis surtout après, pour être dans la communion fraternelle ensemble. Amen. Alors n'hésitez pas, notez ces moments et on s'encourage ensemble pour venir et surtout ne pas rester seul à la maison et de venir profiter de ces moments de communion fraternelle. Amen. On ouvre la parole de Dieu ensemble quelques instants. On pense à nos frères qui sont dans différents endroits, qui prêchent la parole, que ce soit Épernay, à Fagnières, également dans la Meuse. Également, nous voulons penser à ces églises et à nos frères qui se déplacent régulièrement pour pouvoir eh bien, apporter la parole de Dieu dans ces églises. La semaine dernière, j'étais sur Bar-le-Duc. Vous avez les salutations de cette petite église et nous sommes en train de mettre un programme de revitalisation par l'Esprit de Dieu sur ces assemblées. Nous voulons croire que le Seigneur va souffler là aussi. Amen. Même dans des coins qui semblent désertiques, même dans des coins qui semblent atteints par toutes sortes de situations précaires, le chômage, il y a vraiment un manque de travail dans ces régions, c'est assez compliqué, mais nous voulons croire que là-bas aussi, il y a des âmes à sauver. Amen. Et c'est pour ça que nous venons en soutien à ces deux églises et aux pasteurs qui vont les prendre en charge. On prie ensemble et on demande à Dieu sa grâce encore pour sa parole maintenant. J'aimerais terminer avec vous cette dernière partie sur la notion que lorsque Dieu nous visite, lorsque Dieu a décidé de visiter nos cœurs, lorsque Dieu a décidé de visiter nos vies, qu'est-ce qu'il fait, comment il le fait, de quelle manière et qu'est-ce que nous pouvons obtenir de sa part. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ce moment, merci pour la liberté que tu nous donnes encore aujourd'hui de nous rassembler. Merci d'avoir encore la possibilité d'ouvrir la parole de Dieu sans être malmené, frappé ou jeté en prison comme dans certains pays. Merci de nous permettre de vivre notre foi aujourd'hui et de pouvoir témoigner que tu es vivant. Nous avons bien conscience que l'étau se resserre et que les situations deviennent de plus en plus compliquées. Mais nous te prions de faire en sorte que nous puissions toujours continuer à annoncer ta parole. Dans le nom de Jésus. Seigneur, il y a tellement de personnes qui ont besoin de toi autour de nous. Dans notre environnement familial, social ou professionnel. Il y a tellement de gens qui sont dans la souffrance, qui ont besoin de ta grâce, de ton soutien. Alors Seigneur, merci de faire en sorte que nous puissions continuer à annoncer celui qui sauve, celui qui libère et celui qui transforme les vies. Accorde-nous vraiment encore cette grâce et fais du bien à chacun d'entre nous encore ce matin pour ta parole, qu'elle vienne toucher nos cœurs, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, que nous ne soyons pas des gens qui disons que nous avons l'habitude d'entendre et que nous ne laissons pas façonner par le Saint-Esprit, que nous ne soyons pas des hommes et des femmes qui ne nous remettions pas en question, mais que nous permettions justement à l'Esprit de Dieu de nous renouveler, de nous régénérer, de transformer notre intelligence, comme l'apôtre Paul nous l'enseigne, afin de toujours être plus près, plus proche de toi, dans la compréhension de ce que tu veux faire avec nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans cette cinquième et dernière partie, j'aimerais vous inviter à découvrir ce que Dieu fait dans notre vie lorsqu'il nous visite. On a déjà vu pas mal de choses ensemble et nous sommes restés sur ce verset que l'apôtre Pierre va proclamer. Et lorsqu'il va annoncer que Christ est ressuscité, qu'il est vivant, et qu'il va se trouver là devant des milliers de personnes, il va annoncer cette parole, et la Bible nous dit que tous ceux qui entendirent la parole eurent le cœur vivement touché. J'aime ce texte-là parce que pour moi, c'est une grande inquiétude. Lorsque nous lisons la parole, ou lorsque nous entendons la parole dans la prédication, et que nous n'avons plus le cœur vivement touché.
Si ton cœur n'est plus vivement touché, c'est que tu as un problème, et un sérieux problème. Parce que chaque jour de notre vie, à partir du moment où nous avons donné notre vie à Christ, jusqu'au jour où il viendra nous chercher ou que la mort nous prendra, à aucun moment la Bible nous dit que notre progression, notre croissance doit s'arrêter. Mais la Bible nous invite à ce que notre cœur soit vivement touché, et pas simplement touché. Et je ne vous parle pas simplement d'une émotion, je ne vous parle pas simplement d'un sentiment. Je vous parle de ce qui va résonner au plus profond de nous-mêmes lorsque nous reprenons cette parole, lorsque nous méditons cette parole et lorsque nous considérons ce que Dieu a fait au plus profond de notre vie et comment nous sommes en croissance jour après jour jusqu'au jour où il viendra nous chercher pour nous amener dans sa gloire. Alléluia. Je prie pour que ton cœur soit vivement touché ce matin. Mais je prie également pour que demain il soit encore vivement touché et après-demain encore. Alléluia. Alors nous avons vu ensemble qu'être visité par Dieu, ça doit être une réalité quotidienne. Ce n'est pas qu'une question simplement de dimanche. Nous avons vu, deuxième point, que Dieu nous touchait de différentes manières. Il agit par sa parole, par sa personne, par son esprit, par son action. Il utilise les circonstances de notre vie pour nous toucher. Également, troisièmement, nous avons vu que se laisser toucher par Dieu, c'est un choix personnel. Nous pouvons résister à Dieu. Nous pouvons nous opposer à Dieu. Nous pouvons rester sur notre position personnelle en disant « Non, mais moi je ne considère pas cela, moi je ne vois pas ces choses, etc. » Et en réalité, eh bien, nous resterons tels que nous sommes. Mais nous devons envisager ensemble le quatrième point. Parce que dans le quatrième point, nous avons commencé à voir que lorsque Dieu nous visite, eh bien entendu, cela apporte dans notre vie des résultats concrets. Est-ce que tu peux nous suivre avec la vidéo, s'il te plaît ? Merci. Quatrième point, s'il te plaît. C'est-à-dire les trois qui vont suivre. Voilà, merci. Nous avons vu ensemble que lorsque Dieu nous visite, il nous purifie, il nous qualifie, il nous relève, il nous affermit. Alléluia. Il nous donne cette vie de l'esprit, une vie abondante. Il nous guérit spirituellement. Il nous permet de retrouver nos facultés spirituelles, intellectuelles, morales, etc., etc. J'aimerais terminer ce matin avec ce dernier point. Lorsque Dieu nous visite, il nous permet de recevoir sa paix. Et sa paix, la paix de Dieu, c'est juste quelque chose qui est incroyable. Je ne sais même pas si on peut vraiment la définir en l'expliquant. Il y a un passage dans l'Écriture qui symbolise d'une certaine manière, il y a plusieurs passages, mais il y en a un qui symbolise dans Matthieu au chapitre 8, le verset 15. Vous savez, quand la belle-mère de Pierre est malade, elle a la fièvre, elle est agitée, elle ne se sent pas bien. Et la Bible nous dit qu'il va toucher sa main. Et à ce moment-là, la fièvre va la quitter. Elle va donc se lever et elle va servir. La fièvre qui agitait cette femme représente tout ce qui peut nous agiter dans notre vie aussi. Tout ce qui peut nous troubler, des inquiétudes, parfois des inquiétudes passagères, mais parfois des inquiétudes chroniques. Voire même des tourments, des angoisses, des peurs, des choses qu'on peut expliquer parce qu'on est dans un environnement qui produit cela, mais parfois des situations qu'on ne peut pas expliquer. Combien de fois j'ai au bureau des personnes qui me disent « Pasteur, il y a des craintes, j'ai des crises d'angoisse, je n'arrive pas à expliquer, pourtant ma vie ne semble pas générer ces choses. Et je ne sais pas pourquoi j'en suis là. » Combien sont ceux qui sont encore aujourd'hui dans la crainte ? Combien sont ceux de nos contemporains ? Quand vous discutez avec les gens qui sont dehors, quand vous partagez quelque chose dans un bus, dans un tram, je suis étonné d'entendre les gens dans cette crainte. La crainte du lendemain, la crainte de ne pas savoir ce qui va se passer demain, la crainte de ne pas maîtriser demain. De ne pas savoir comment nous allons vivre, comment les choses vont se passer. Qui est angoissé aujourd'hui ? Parce qu'il se passe dans notre monde, justement.
Qui est angoissé? Si vous n'êtes pas angoissé, c'est facile de l'être, hein, vous ouvrez les informations. Et peu importe le canal, peu importe la chaîne, peu importe, vous ouvrez sur la télé, sur Internet, sur votre téléphone, sur... Et là, vous allez... Je me faisais la réflexion encore cette semaine, je me suis dit, mais c'est incroyable. Même sur les réseaux sociaux, vous avez remarqué? Que ce soit Insta, Facebook, tout ce que vous voulez. Il y a plein de choses que vous ne demandez pas, mais ça arrive quand même. Vous avez remarqué? Et ce qui arrive sur votre téléphone ou sur votre tablette, ou sur, c'est pas ce que vous avez demandé, vous voyez? Et puis vous avez des choses qui arrivent et vous voyez des bagarres, vous voyez des insultes, vous voyez la guerre, vous voyez toutes sortes de choses, comme s'il y avait quelque chose qui était en train de nous dire dans ce monde que tout notre monde est comme cela, et pas autrement. Et vous avez vu comment ça active la mentalité de certaines personnes, peut-être plus fragiles, plus faibles, qui se disent, ben, si eux, ils le font, peut-être que nous, on pourrait le faire aussi. Si eux, quand ils font ces choses-là, finalement, ils ne sont pas réprimandés, ils ne se retrouvent pas devant un juge, ils ne sont pas en prison, finalement, nous, on pourrait le faire aussi. Et on voit comme une escalade de la violence. Qui n'est pas angoissé aujourd'hui par ce qui se passe dans notre société? Quand nous voyons toutes ces guerres, quand nous voyons la montée de l'islam, quand nous voyons l'insécurité qui règne à cause de cette immigration non contrôlée. Mais pas contre le fait qu'il y ait des personnes. La Bible nous parle de l'immigration. Mais prenons les principes bibliques. Mais ce n'est pas notre gouvernement, je pense, aujourd'hui, qui va faire ces choses-là, n'est-ce pas? Mais il y a des principes bibliques dans la notion de l'immigration. La Bible nous parle du social. La Bible nous parle d'accueillir l'étranger. Mais elle nous dit comment le faire également. Afin que nous puissions vivre dans cette harmonie. Combien sont ceux qui sont inquiets aujourd'hui à cause de tous ces actes de violence que nous voyons au quotidien, des actes gratuits qui se passent un peu partout dans notre société, dans notre pays et ailleurs. Combien sont ceux qui sont inquiets pour les générations futures, pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui ont des petits-enfants, et qui se disent « Waouh, ça va être quoi demain pour eux ?» J'aimerais vous rassurer que je crois que de toute génération, des papas, des mamans, des papis, des mamies ont dit ça. Je me souviens, il y a plus de 30 ans, avant qu'on se marie avec mon épouse, mon père déjà me disait, il dit, mais vous ne mariez pas? Je dis, papa, pourquoi tu ne veux pas? Mais il me dit, tu ne vois pas dans quel monde on est aujourd'hui? Le pauvre, s'il était là encore aujourd'hui. Et de toutes les générations, nous avons vu des choses qui sont dégradantes, qui sont compliquées, qui sont... Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Mais il y a quelque chose que nous devons comprendre les uns et les autres. C'est que sans Christ, il n'y a aucune espérance dans ce siècle-ci et dans celui qui vient. Aucune. Et si vous voulez trouver un objectif à votre vie, des buts, découvrez. Et attachez-vous à Jésus-Christ, parce qu'avec lui, tout peut être différent. Et en prenant ce thème de la sérénité, de la paix de Dieu, je me suis dit finalement, c'est l'occasion. On est dans cette période de Noël, dans ces fêtes de Noël bientôt. Ésaïe chapitre 9, le verset 5, nous dit « Un enfant nous est né ». Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Prince de la paix. L'Église en 2023 est présente dans la ville afin de faire découvrir que Dieu n'est pas mort, que Dieu est vivant et qu'il est le Dieu de la paix. Il a envoyé le prince de la paix, qu'il n'est pas un Dieu de guerre, qu'il n'est pas un Dieu de violence comme certaines religions voudraient nous le faire croire. Il est un Dieu de paix, un Dieu d'amour. C'est-à-dire que nous sommes amenés à découvrir
celui qui est l'essence même de la paix et qui, par connaissance et transmission, peut être communiqué à l'être humain qui en a besoin. Parce que cette paix, c'est une paix qui n'est pas identique à celle que l'on trouve dans ce monde. Ce n'est pas cette paix qui est identique à celle qu'on pourrait fabriquer. Ce n'est pas une paix passagère, une paix volatile ou une paix éphémère. La paix dont la Bible nous parle, elle nous dit même que c'est une paix qui peut être intarissable. Intarissable, qui n'a pas de fin, qui ne s'arrête jamais. Une paix durable, une paix stable, profonde, pas une paix superficielle comme on pourrait se l'inventer, mais quelque chose qui vient d'en haut. Comment pourrions-nous définir la paix? Comment pourrions-nous l'expliquer? Quelqu'un a dit un jour, la paix, ce n'est pas le contraire de l'agitation, c'est l'absence d'agitation. Je dirais que vivre sereinement, vivre dans la paix, ce n'est pas l'absence de difficultés dans notre vie, comme on a voulu nous le faire croire à une certaine époque. Venez à Jésus et vous verrez que vous n'aurez plus de problèmes. Mais depuis quand ça existe, ça? Depuis le premier chapitre de la Bible, dès qu'il y en avait qui commençaient à découvrir le Dieu, l'Éternel, Yahvé, c'était là qu'ils commençaient à avoir des problèmes. C'est là qu'il y avait des oppositions. C'est là que le diable se levait pour commencer tout simplement à persécuter. Ce n'est pas l'absence de difficultés, ce n'est pas l'absence de luttes ou de combats de toutes sortes, mais c'est apprendre à les affronter sans agitation et sans inquiétude. Parce que celui qui est le prince de la paix nous a fait la promesse de marcher avec nous. Alors comment trouver la paix du cœur? Comment arriver à vivre sereinement? Où je peux trouver tellement de cette énergie, de cette force qui vient d'en haut? Parce qu'aujourd'hui, on a tellement des vendeurs de paix. Hein, tellement des gens qui sont là pour nous vendre un principe, pour nous vendre des procédés, pour nous vendre des choses à droite, à gauche. Et beaucoup ont une fausse idée de la paix, justement, intérieure. J'aimerais vous dire qu'il existe un livre juste incroyable qui nous parle de cette paix, de cette sérénité. Je vous le recommande vivement. Si vous n'avez pas encore et si vous voulez peut-être l'offrir, c'est possible. Ce livre s'appelle La Bible. C'est le livre par excellence qui nous parle de la paix. Pourtant, vous allez me dire, mais pasteur, vous vous trompez parce que dans la Bible, il y a tellement de guerres, il y a tellement... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a tellement de conflits, il y a tellement de guerres, parce qu'il y en a un, il s'est élevé contre le prince de la paix, afin de vouloir le détruire, afin de régner sur ce monde, et de faire en sorte que ce monde soit un monde chaotique, comme il est en train de le devenir aujourd'hui, puisque ce n'est pas le prince de la paix qui règne pour l'instant sur ce monde, mais c'est le père du mensonge. C'est le prince des ténèbres. C'est lui qui aujourd'hui domine. Mais la Bible nous dit que pour un temps. Et ce temps est en train de s'écouler sévèrement. Et il y a un moment où ce prince des ténèbres sera lié. Et c'est le prince de paix qui prendra place. Mais ce prince de paix, tu peux le découvrir déjà aujourd'hui. Ce prince de paix, tu peux faire la paix justement avec lui. Ce prince de paix, tu peux l'accueillir dans ton existence et vivre toute autre chose. Déjà, regardons ensemble. Qu'est-ce qui nous empêche, d'après ce livre, de recevoir pleinement la paix? Eh bien, la Bible nous dit que c'est le péché qui ôte la paix. Regardez ce qu'il est dit dans Romains, chapitre 2, verset 9. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme, mais aussi de femmes, hein. Vous n'êtes pas oublié, hein, vous inquiétez pas, qui fait le mal. Tribulation, angoisse. Et regardez ce qu'il est dit également dans Ésaïe 48, 22, il n'y a pas de paix pour les méchants. On a déjà parlé il y a quelque temps, parce qu'il est important de comprendre la notion de mal avant tout et de considérer ce que Dieu appelle comme méchant.
Parce que la notion du mal dans la Bible, elle est premièrement spirituelle, avant d'être morale ou physique. Elle est spirituelle. Et Ésaïe, qu'est-ce qu'il définit comme étant méchant, comme j'en ai parlé il y a quelques semaines en arrière? Un méchant, selon Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui fait du mal, dans le sens où le dictionnaire Larousse pourrait nous l'expliquer aujourd'hui. Ce n'est pas forcément quelqu'un de mauvais, ce n'est pas forcément quelqu'un qui fait des choses mal, justement. Ce n'est pas forcément un délinquant, un coupable, quelqu'un qui est répréhensible, etc. Non. Quand vous reprenez le dictionnaire biblique, la Bible nous dit que le méchant, selon Dieu, c'est quelqu'un qui tout simplement rejette l'autorité de Dieu sur sa vie. Nous pouvons nous dire être chrétiens et pourtant être un méchant aux yeux de Dieu. Mais comment est-ce possible ? Ben oui, parce que chrétien, c'est juste une étiquette. Vous voyez ? Qu'un jour, tu t'es collé sur la tête en disant « Moi, j'ai accepté Jésus, je suis passé par les eaux du baptême, je suis devenu un chrétien. » Mais ce que Dieu veut que tu deviennes, ce n'est pas un chrétien, c'est un disciple. C'est-à-dire un homme, une femme, qui s'engage à appliquer pleinement la volonté de Dieu dans ta vie. Pourquoi il y a des disputes, des conflits, des difficultés ? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui, même tout en étant soi-disant chrétiens, chrétiennes, n'appliquent pas la volonté de Dieu dans leur vie. Et donc, il y a de l'opposition. Si nous appliquions tous la volonté de Dieu, nous serions dans la paix, dans la sérénité, parce que dans la compréhension, les uns avec les autres. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que le méchant, selon Dieu, c'est quelqu'un qui ne veut pas écouter sa parole, qui ne veut pas la mettre en pratique, qui ne veut pas écouter ses enseignements, ses réprimandes parfois aussi, parce que oui, Dieu nous réprimande. Il nous reprend parfois, il nous reproche parfois certaines choses. Ce sont ceux qui ne veulent pas mettre pleinement en pratique cette parole dans leur vie et par conséquent, eh bien, se plaisent à ne pas toujours justement faire le bien. Alors comment ça se passe lorsque nous n'avons plus la paix ? Comment nous ressentons ces choses ? Eh bien, on ne se sent pas en sécurité quand la paix de Dieu quitte notre cœur. On n'est plus en sécurité, on recherche le contrôle, on recherche à dominer les autres, ou les choses, ou les événements, ou les situations, ou les, comment dirais-je, les choses qui traversent notre vie. Parce que justement, on n'est pas dans la paix de Dieu. Alors on fait preuve d'autorité, voire même plutôt d'autoritarisme. On craint que quelque chose nous arrive. On a peur de quelqu'un, ou on a peur d'un événement, ou on a peur d'une situation. On n'est pas tranquille, on est angoissé, on est mal dans sa peau. Qu'est-ce que la Bible nous dit quand nous sommes dans de telles situations ? Que faut-il faire pour découvrir la paix de Dieu ? Bien, la Bible nous dit, fais la paix déjà avec Dieu et fais la paix avec les autres. Amen. Je vous sens fébrile ce matin. Dans Romains 5, 1, il est dit « Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Avant d'aller chercher ailleurs toutes sortes de sources de paix, de tranquillité, la source ultime qui nous est proposée, c'est de faire la paix avec Dieu. De cesser d'être en conflit avec lui, de cesser toute hostilité avec le Créateur. Et oui, je ne m'adresse pas simplement à des personnes qui ne se sont pas engagées encore avec le Seigneur, mais à nous qui voulons être des disciples de Jésus. Parce que tout disciple que nous pouvons être, parfois nous pouvons être en hostilité avec Dieu, en conflit avec Dieu. Pourquoi ? Lorsque par exemple nous ne voulons pas faire ce qu'il nous demande de faire, lorsque nous ne voulons pas nous soumettre à sa parole, lorsqu'il nous demande de prendre certaines décisions dans notre vie, d'aller dans certaines situations ou directions, et que finalement nous nous opposons à lui. Alors bien sûr, là, les situations de nos vies deviennent compliquées. Tant que nous sommes en conflit avec Dieu, on ne trouvera pas une véritable paix intérieure. Vous pourriez même être dans un environnement tellement tranquille. Si vous n'êtes pas en paix avec Dieu, vous serez tourmenté. Regardez Jonas. Jonas, il s'est retrouvé à un moment donné dans l'obligation d'obéir à Dieu. Il était là au bord
du lac, au bord de la mer. Il était bien tranquille, il aurait pu se reposer. Là, il y avait le soleil, de l'ombre. Et malgré qu'il était dans un environnement idyllique, tourmenté, angoissé, il sait que Dieu lui demande de prendre une direction, alors il fait exprès de partir à l'opposé. Et vous connaissez l'histoire de Jonas, comment les choses vont se passer, comment Dieu va le rechercher. Tu peux créer un environnement fictif dans ta vie, où tu montres aux autres que tu es là, tranquille, dans une vraie relation avec Dieu, etc. Mais au fond de toi, tu es agité. Au fond de toi, tu es angoissé. Au fond de toi, tu es craintif, craintive. Tu cherches constamment le contrôle. Tu cherches constamment à maîtriser les choses parce que tu n'aimes pas quand elles t'échappent. Ça prouve simplement que tu n'es pas serein, sereine. Ça prouve que tu n'es pas en paix avec toi-même, comme en paix avec les autres et en paix avec Dieu. Quand tu es en paix avec Dieu, tu ne cherches pas toutes ces choses. Pourquoi c'est important de décider d'être en paix avec Dieu comme avec les autres ? Il y a pour moi une raison qui est assez essentielle. Parce que ce ne sera jamais les autres qui souffriront le plus de ce conflit qu'il y a entre toi et Dieu aujourd'hui. Mais c'est toi qui vas en souffrir, pas les autres. C'est nous qui allons en souffrir. Si je suis en désobéissance vis-à-vis de Dieu, ce n'est pas Dieu qui va souffrir. Même si lui ne se plaît pas de nous voir dans une telle situation, dans une telle incompréhension, c'est nous qui allons souffrir des conséquences. Peut-être certains vont se dire, oui, mais moi, vous savez, je ne suis pas en conflit avec Dieu. D'abord, je m'en occupe pas trop de Dieu, finalement. Et puis, j'y crois pas trop, j'y crois qu'à moitié. Donc, finalement, ça me laisse tranquille. Moi, j'aimerais simplement vous rappeler ce matin que ce n'est pas parce que nous ignorons une situation, une chose, qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous voulez ignorer la loi de la gravité que la loi de la gravité n'existe pas. Et vous pouvez faire un essai dès maintenant. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas comment un fruit dans une corbeille va commencer tout simplement à pourrir et finir de faire pourrir les autres, que ça n'existe pas. Combien nous avons vu cette expérience ? On ne sait pas à quel moment il y en a un sur les 15 clémentines qu'on a achetées. Il y a un fruit, on ne sait pas où il était celui-là. Pourtant, on les a tous pris les uns après les autres, on les a posés dans la corbeille. Mais il y en a un qui a commencé à pourrir, sans rien nous dire. Et vous avez vu la propagation ? Et pourtant, il était caché. Quand je regardais le panier, oh, c'était juste magnifique. Mais dessous, il y en avait un qui pourrissait et qui était en train de contaminer les autres. Vous et moi, nous savons que si nous ignorons ce fruit qui pourrit, c'est pas pour autant qu'il existe bien, n'est-ce pas ? Il est là, il existe, il est réel et il fait du tort. Eh bien, c'est la même chose dans notre vie. Ne pas être conscient que nous sommes en conflit avec Dieu n'enlève pas les conséquences de cette situation. Et c'est pour ça que vous avez tellement de gens qui se disent « Mais pourquoi je passe par-ci ? Pourquoi je passe par-là ? Pourquoi je vis telle et telle situation ? Pourquoi je ne comprends pas ? Mais qu'est-ce qu'on me veut ? Alors on s'en prend toujours aux autres. Et qu'est-ce qu'on me veut ? Et pourquoi les autres ceci ? Et pourquoi les autres ? Mais pose-toi un peu la question, c'est quoi ton problème à toi ? Qu'est-ce que toi tu n'as pas réglé ? Parce qu'au final, c'est toi qui souffres. Et vous voyez, ce même principe s'applique pour les conflits que nous pouvons avoir avec Dieu, comme ça peut s'appliquer aussi pour les conflits que nous pouvons avoir avec les autres. Je parlais de relations familiales tout à l'heure, mais le fait de ne pas être en paix avec les autres, ce ne sont pas les autres qui vont en souffrir le plus, mais c'est nous. Pourquoi c'est nous ? Tout simplement parce que c'est nous qui allons ressasser, c'est nous qui allons, comme on dit parfois, broyer du noir, c'est nous qui allons nous faire nos films. C'est nous qui allons déverser notre amertume par SMS aux uns et aux autres, notre aigreur, notre rancune aux uns et aux autres, de toutes sortes de ressentiments. Romains 12, le chapitre 12, le verset 18 nous dit « Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes et les femmes. »
J'aime bien ce verset. Parce que je me suis rendu compte que nous, on veut vivre dans la paix. Mais vous aurez toujours des gens qui veulent vivre dans la guerre. Vous aurez toujours des gens qui vont chercher le conflit. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vu ça dans mon environnement. Peut-être dans le vôtre, ce n'est pas le cas. Dans vos familles, dans votre vie sociale, dans... même dans l'Église. Vous aurez toujours des gens qui ne sont jamais contents. Toujours des gens qui, même si vous, vous voulez être en paix, serein, sereine, qui seront là pour chercher un problème, une critique, un conflit, quel qu'il soit. Et la Bible nous dit, si donc cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est pour ça que nous avons un Jésus qui s'appelle l'avocat. Eh oui, parce que vous avez des situations qui sont inextricables. Des gens qui n'entendent rien de la situation. Alors il n'y en a pas d'autre que de prier et de remettre cette situation entre les mains de Jésus en disant, Seigneur, ta parole me dit que toi tu es l'avocat auprès du Père. Alors je te remets ces personnes, je te remets ces situations parce qu'on a essayé de discuter, on a essayé de partager, on a essayé mais il n'y a rien qui est entendu. Eh bien écoute, toi, occupe-toi de ces personnes-là. Fais ton œuvre. Comme tu es le juste juge, nous savons que toi, l'avocat, tu vas plaider la cause auprès du juste juge. Et toi, comme tu es un Dieu d'amour, mais aussi tu es un Dieu juste, alors tu vas accomplir ta justice. Alléluia. Et que Dieu soit béni pour sa justice. C'est pour cela que nous avons un avocat. N'hésitez pas dans votre vie de prière à remettre les situations conflictuelles que vous avez qui semblent inextricables entre les mains de l'avocat Jésus. C'est ça le cheminement de ce que la Bible nous explique sur ce principe du combat spirituel. Remettez toutes ces situations entre les mains du Seigneur. Faites-lui confiance et vous allez voir, quand vous allez apporter ces situations, ça va vous libérer. Eh oui, ça va vous libérer, ça va vous affranchir. Parce que vous ne serez plus, vous, en train de les porter. Non, c'est Jésus, la Bible nous dit, on l'a lu tout à l'heure dans Ésaïe, c'est Jésus qui va porter nos fardeaux, nos poids, nos souffrances. C'est pour ça que Jésus dira, mais venez, déposez, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez, venez à moi. Déposez toutes ces choses, je vais m'en occuper. Je suis l'avocat, dit Jésus. Je suis ton avocat personnel. Et en plus, eh oui, c'est gratos. Rien à payer, pas de facture à la fin. C'est juste extraordinaire. Ne laissez pas vos colères, ne laissez pas vos colères mal gérées être à l'origine de votre manque de paix. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ce verset aussi, j'aime bien. Oh, il y a tellement de chrétiens qui disent, ah non mais pasteur, en tant que chrétien, on n'a pas le droit de se mettre en colère. Ben si, on a le droit de se mettre en colère. Il faut que la colère soit justifiée. Mais il est dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu peux être en colère par rapport à une situation, mais tu n'as pas le droit de faire du tort aux autres. Tu n'as pas le droit de blesser les autres. Tu n'as pas le droit de faire du mal aux autres. Pourquoi ? Parce que si tu agis comme cela, la Bible dit, tu donnes accès au diable. Pas simplement dans la vie de l'autre, mais dans ta vie personnelle. Et le diable voit ton sale caractère, ta manière d'être, ta façon de faire. Alors c'est comme une emprise et il vient s'infiltrer. Et là, il commence à te dominer. Et c'est lui qui tire les ficelles. La Bible dit, si tu te mets en colère, tu as le droit, mais ne pêche pas. Ne donne pas accès au diable. Et que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça veut dire que rapidement, s'il y a quelque chose qui t'a mis en conflit, en difficulté, règle ton problème. N'attends pas 25 ans pour régler les choses. Mais fais-le le plus vite possible. Pourquoi ? Parce que la Bible sait, elle nous le dit. Elle nous dit que si nous ne faisons pas ces choses, alors la colère va commencer à se manifester. Ça va générer des blessures. Et automatiquement, la paix de Dieu va s'en aller. Nous ne serons plus dans la paix de Dieu. Nous ne serons plus dans la sérénité. Et si nous ne traitons pas notre colère d'une manière biblique, alors elle va, d'une certaine manière, elle va s'exprimer, cette colère. Et malheureusement, très souvent, elle s'exprime d'une mauvaise manière.
Nous allons évacuer notre colère sur les autres, sur ceux que nous aimons souvent. C'est comme ça que ça se passe, hein ? Combien sont ceux, des fois, quand ils sont rentrés à la maison, qui étaient en colère parce qu'au boulot, ça s'est mal passé, parce qu'avec quelqu'un, ça s'est mal passé. Et à peine rentré à la maison, c'est le chien qui a pris. Parce que le chien, lui, il était là, tranquille, toute la journée. Il s'est dit, c'est quand que ma maîtresse arrive ? C'est quand que mon maître arrive ? Et là, on ouvre la porte. Le chien, la première chose qu'il fait, c'est il nous saute dessus parce qu'il veut nous faire des fêtes. Allez, ça suffit, laisse-moi tranquille. Bon, je sens que ça parle à certains, cette histoire. Même si vous n'avez pas tous des chiens, peut-être c'est un chat, je ne sais pas, ou autre chose. Mais c'est juste la vérité, n'est-ce pas ? Parce que des fois, je prends l'exemple du chien, mais combien de fois c'est les enfants qui prennent ? Ou le conjoint qui ramasse ? Lui, il n'a rien demandé. Vous voyez ? Mais c'est lui qui prend, ou elle qui prend. Et on a tous vécu cela. Puis parfois, c'est Dieu qui prend. Oui, parce qu'on s'en prend à Dieu. Et pourquoi, Seigneur, t'as permis ça ? Et pourquoi je passe par telle situation ? Et pourquoi je vis ce conflit ? Et pourquoi je vis ces problèmes ? Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi ? On s'en prend à Dieu. On s'en prend aux autres. On s'en prend rarement à soi-même. Peut-être qu'on s'aime trop. Mais on s'en prend rarement à soi-même, voyez ? Il y a une autre façon de traiter aussi sa colère, c'est juste de la nier. Non, non, mais je ne me mets pas en colère. Non. Alors on va rationaliser notre colère, on va la réprimander même d'une certaine manière. Mais dans les deux tendances, de toute façon, dans les deux cas, ça ne procure pas la paix de manière durable. Et l'ennemi va utiliser ses faiblesses pour nous dominer. La Bible dit, dépose, et peut-être que c'est l'occasion que tu as ce matin, que Dieu te propose. Seigneur te dit, dépose à mes pieds, moi qui suis ton avocat, dépose toute chose ce matin. Et laisse ma paix envahir tes pensées. Laisse ma paix envahir ton cœur. Laisse ma paix envahir tout ton être. Et j'aimerais vous dire que ça commence comme ça. Ce que je viens de dire, ce n'est pas le fait du hasard. Ça commence par nos pensées, notre cœur. Et ensuite, notre corps, le reste. Il y a des gens qui veulent être en paix. Ils veulent que leur situation de vie soit pérenne parce qu'ils veulent la sérénité, ils veulent la paix. Mais j'aimerais te dire que ça commence par ton intelligence. Ça commence par tes pensées. C'est ce que tu penses qui va générer ce que tu es et tes actions. Faites la paix avec Dieu ce matin. Mettez votre foi dans la personne de Jésus-Christ. Il n'y en a pas un seul autre qui peut vous apporter cette paix tellement profonde. Rencontrer Jésus, faire la paix avec lui, c'est recevoir le prince de paix chez nous. Regardez dans les passages bibliques que vous connaissez certainement, le nombre de fois où Jésus a dit, par exemple, « Que la paix soit avec vous ». Ou qui a dit « Va en paix ». Ou « Ayez la paix en moi », comme dit il dira dans Jean 16. Ou encore, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, Jean 14. Alléluia. Et vous voyez, quand sur le plan individuel, quand sur le plan impersonnel, nous vivons la paix de Dieu de manière individuelle, alors il y a des conséquences qui se répandent et font que tout simplement, on en vient à acte 9. Quand nous sommes en paix les uns avec les autres, quand nous vivons en paix avec Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Acte 9, l'Église était en paix. L'Église était en paix, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Ne cherchez pas à ce que dans l'Église, il y ait des choses que vous ne viviez pas sur le plan personnel. Si tu ne sais pas vivre la paix avec Dieu sur le plan personnel, si tu ne sais pas vivre cette sérénité, si tu ne sais pas mourir à toi-même sur le plan personnel, dans l'Église, ça se verra. Dans l'Église, ça se ressentira. C'est parce que sur le plan individuel, nous allons découvrir la paix de Jésus, la paix de Dieu, que nous allons le vivre au quotidien, qu'alors, acte 9, l'Église pourra être en paix et dans la sérénité. Alléluia. Alors approche-toi ce matin, du prince de paix. Et puis, comment vivre du coup
une fois que nous l'avons découvert, le prince de paix, comment rester chaque jour dans sa paix, dans sa présence? Bien, Philippiens 4.8 nous aide. Et Philippiens 4.8 nous dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, pur, aimable, mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange. Regardez ce qu'il dit encore. Vous devez le pratiquer ? Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Soit, vous suivez avec moi ? Soit l'objet de quoi ? De vos pensées. Est-ce que vous voyez le fonctionnement de l'écriture ? Nous, on est souvent dans le faire. Ah non, il faut faire des choses. Oui, être juste, honnête, bien. Mais regardez en premier comment ça commence. Que tout ce qui est vrai, honorable, aimable, pur, juste, qui mérite l'approbation, vertueux, digne, soit d'abord l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, dit l'apôtre Paul, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le ensuite. Et le Dieu de paix sera avec vous. Mais ça commence par tes pensées, mon frère, ma sœur. Arrête de montrer aux autres que tu es ceci, que tu es cela, que tu fais ceci, que tu pries ainsi, que tu parles comme cela, que tu as telle connaissance. Arrête de montrer aux autres ces choses. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. Dieu regarde à ton cœur. Et le siège de ton cœur, c'est quoi ? C'est le siège de tes pensées. C'est ce que tu vis intérieurement. Commence par laisser tes pensées être transformées, changées, et après tu pourras mettre en place le reste. Paul ne dit pas que nous devons pratiquer en priorité ces choses, non. Il dit que nous devons entrer dans cette maturité spirituelle pour laisser nos pensées être tout simplement influencées par le Saint-Esprit. Pourquoi c'est si important ? Parce que l'apôtre Paul sait que si nous ne faisons pas cela, alors nous allons être dans un fonctionnement religieux et nous allons nous obliger à faire des choses, à faire un service, à accomplir des choses pour Dieu. Alors bien sûr, nous pourrons le spiritualiser, nous pourrons dire « Oh, c'est pour le Seigneur, c'est pour le royaume, c'est pour si, Dieu connaît tout, etc. » Mais en réalité, Dieu connaît surtout ton cœur. Dieu n'entend pas tellement ce que tu dis. Il connaît surtout la motivation de ton cœur. Et le problème, si nous nous laissons influencé par ce mode de fonctionnement-là, c'est-à-dire que nous faisons passer en premier le faire et après l'être, qu'est-ce qui se passe ? Ben Paul va nous expliquer qu'on tombe dans une mentalité religieuse et légaliste où nous allons organiser notre vie autour des principes pour faire des choses ou ne pas les faire. Fais ceci, ne fais pas ça. Va ici, ne va pas là-bas. Mange comme ceci, ne mange pas comme cela. Prends ceci, prends pas cela, dis ceci, dis pas cela, etc., etc., et la liste est infinie. Dieu veut que nous comprenions que avant de faire, il faut être. Bon, il n'y en a que 3-4 qui suivent, mais ça ne fait rien. Que cette parole puisse nous remettre en question. Vous savez, c'est comme ça aussi qu'on a mal éduqué parfois nos enfants. Avec la notion de faire. Mais oui, par exemple, combien de fois j'ai pu entendre, et nous aussi on l'a fait au début, puis ensuite on a arrêté parce qu'on s'est rendu compte que ça donnait une mauvaise image de Dieu. Quand on éduque nos enfants, par exemple, ou nos petits-enfants, en leur disant « Oh, surtout ne fais pas ça parce que Dieu n'est pas d'accord. » Oh, puis si jamais tu fais ça, Dieu va te punir. Ou alors de dire « Non, non, mais surtout ne va pas dans tel endroit ou ne t'engage pas dans tel processus parce que la Bible n'est pas d'accord. » Ça revient à la même chose. Mais quel est le problème de cette attitude-là ? On crée une génération de gamins qui ne marchent pas avec Dieu par amour, par affection, mais par crainte, par peur. Ouh là là, si jamais je fais ça, non, Dieu va me punir. Et puis s'il arrive une mauvaise nouvelle, s'il y a quelque chose qui se passe mal dans leur vie, je l'ai entendu encore il n'y a pas longtemps, pourquoi Dieu veut me punir ? Mais Dieu punit personne. Où tu as lu quelque part que Dieu punit ? Dieu nous laisse responsables de nos actes. Dieu nous amène à vivre les conséquences de notre obéissance comme les conséquences de notre désobéissance. Alors si vous voulez éduquer vos enfants ou vos petits-enfants, arrêtez de les mettre en grippe avec Dieu, de leur faire peur de Dieu.
Mais apprenez à vos enfants, à vos petits-enfants, à comprendre les conséquences de leur choix avec la parole de Dieu. C'est complètement différent. Apprendre à quelqu'un les conséquences de ses choix, ça les amène à quoi ? Un, ça les amène à ne pas s'imposer dans leur vie et de leur dire ce qu'ils doivent faire pour maintenir justement des hommes et des femmes. Et nous voyons ça parfois dans l'Église. Des personnes qui se prennent soi-disant pour des mères spirituelles ou des pères spirituels et qui sont constamment en train de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Mais ce n'est pas comme ça qu'on éduque. Il faut apprendre aux personnes qu'est-ce que la Bible enseigne et de leur dire, bien sûr que tu peux prendre n'importe quelle décision dans ta vie, mais à cette décision, il y aura des conséquences. Est-ce que tu es prêt à assumer ces conséquences-là ? Et vous pouvez toucher à ça dans tous les domaines de ce que la parole nous enseigne. Tous les domaines. Et apprendre à nos enfants, à nos petits-enfants et à chacun d'entre nous. Les conséquences de nos choix, ça nous apporte quoi ? De grandir. De grandir. D'évoluer. De prendre de la maturité. Et de dire, ah oui, j'ai fait parfois des mauvais choix. Seigneur, je te demande pardon. Maintenant, je sais qu'il ne faut plus que je m'engage sur de telle ou telle direction. Je vais avancer avec toi parce que je comprends maintenant ta parole. Comprenons ensemble que la Bible, elle est préventive et non répressive. Elle est là pour nous enseigner, elle est là pour nous éduquer, pas pour nous faire peur, pas pour qu'il y ait des gens qui prennent une domination spirituelle sur notre vie pour nous contrôler ou nous dire ce que nous avons à faire. Si tu as quelqu'un qui domine de cette manière-là, libère-toi aujourd'hui. Sors de cet environnement-là. Libère-toi de ces gens qui sont là pour te dire ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, et que tu vas vite remarquer comment ces gens peuvent te dominer. Parce que si jamais tu ne fais pas ce qu'ils te disent de faire, alors ils vont se mettre en colère. Ils ne vont pas être contents avec toi. Si tu as des gens dans ton environnement comme ça, la Bible dit quitte-les. Quitte ces gens-là, parce que ce sont des gens toxiques. Ce ne sont pas des gens qui te veulent du bien, ce sont des gens qui te veulent du mal. Parce qu'ils aiment te dominer. Et la Bible nous dit que tu n'es pas appelé à vivre sous la domination. La Bible te dit que tu es appelé à être libre en Jésus-Christ. Amen. Tu es appelé à être libre en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des directeurs de conscience. Nous sommes là pour proposer simplement ce que la parole enseigne. Mais c'est à votre liberté de savoir si vous voulez vous engager dans cette parole ou pas. Alléluia. Et puis je termine avec ce dernier point, en comprenant que vous pouvez vite repérer les gens qui sont, comment dirais-je, dans cette dimension de la paix de Dieu. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit que si tu es dans cette dimension de faire la paix avec le prince de paix, faire la paix avec les autres, eh bien ensuite tu deviens tout simplement quelqu'un qui répand la paix. Hello ? Tu répands la paix. Matthieu 5,9 nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. » Veillez aux personnes que vous fréquentez. Si vous avez dans votre entourage des personnes qui ne procurent pas la paix, réfléchissez à deux fois si vous devez continuer avec ces gens-là. Parce que nous sommes appelés à être tirés vers le haut, pas être enfoncés vers le bas. Réfléchissez si dans votre entourage, dans votre environnement, les gens vous tirent vers la paix ou au contraire, ce sont des gens peut-être colériques, critiques ou qui cherchent à vous dominer ou à vous influencer ou à vous manipuler. Veille à cela. Fais attention à cela. Fréquente plutôt des hommes et des femmes que Dieu a transformés, que Dieu a changés et qui sont aujourd'hui des hommes et des femmes qui procurent la paix aux autres, qui donnent la paix. Parce que ce sont justement, comme la Bible nous dit, des instruments de paix. Quels sont ceux qui procurent la paix ? Ben, la Bible nous dit, ce sont ceux qui affectionnent les choses de l'esprit. Approche-toi de ceux qui affectionnent les choses de l'esprit. Comme le dit Romains, chapitre 8, verset 6. Ceux qui affectionnent l'esprit, c'est la paix. Alors sois dans cette paix, reçois cette visitation de l'Esprit de Dieu. Regardez ce qu'il est dit, Romains 14, 19, « Recherchons ce qui contribue à la paix et vivons dans cette paix. Accomplissons le bien pour la paix de Dieu. »
Développons cette sérénité. Soyons des porteurs de paix. Alléluia. Et je terminerai avec cette dernière pensée que j'ai déjà un petit peu abordée dimanche dernier, dont il y a 15 jours. Ne résiste pas à Dieu lorsqu'il veut te toucher. Oui, parce que nous pouvons résister, nous pouvons fuir. Dans Ésaïe 50, il est dit « Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille. Et alors je n'ai point résisté. Je ne me suis pas retiré en arrière. » Et c'est là l'attitude que Dieu veut. Parce que nous pouvons résister à Dieu. Nous pouvons nous opposer à lui. Quand sa parole devient trop dérangeante, alors on ferme nos oreilles. On sort, on s'en va. On ne reste pas dans sa présence. Parce que c'est gênant. Mais en faisant cela, tu ne changes pas. Tu restes toujours la même, toujours le même. Ésaïe nous dit, ne viens pas en arrière. Ne résiste pas. Mais approche-toi de lui. Permets-lui ce matin de faire cette œuvre dans ton cœur, dans ta vie. Reviens à lui de tout ton cœur. Alléluia. Acte 2, 37. Repentez-vous. Soyez baptisés. Recevez le don du Saint-Esprit. C'est ce qu'il va dire pour la suite du passage que nous avons lu en introduction. Nous avons eu le cœur vif d'en toucher, mais que faut-il faire ? Accepte sa parole. Avance. Ne laisse pas la bénédiction de Dieu ce matin s'écouler, mais saisis-la. Ne passe pas à côté de ce que Dieu voudrait faire dans ta vie. Il peut y avoir un changement radical aujourd'hui, mais il peut y avoir aussi aucun changement si tu t'enfermes tout simplement dans ta conception, dans ton caractère, dans ta mentalité, dans tes idées personnelles. Tellement dommage, parce que Dieu veut nous faire grandir avec lui. Le désir de mon cœur ce matin, c'est que vous puissiez repartir de ce lieu avec la paix de Dieu. Que vous puissiez vraiment l'expérimenter profondément dans tous les domaines de votre existence. Fermons nos yeux pendant quelques instants et prions le Seigneur. Nous sommes à tes pieds, Seigneur, ce matin. Parce que nous savons que le seul qui communique cette paix durable, c'est toi. Il n'y a personne d'autre. Et Seigneur, lorsque nous sentons que nous ne sommes pas en paix, c'est bien souvent parce que d'une manière ou d'une autre, nous avons attristé parfois ton esprit. Oh Seigneur, je te demande pardon. Je réclame vraiment ta grâce pour toutes les fois où je peux attrister ton esprit. Et je te prie, Seigneur, pour que dans l'Église aussi, des frères, des sœurs, des hommes, des femmes puissent se tourner vers toi ce matin et comprendre que parfois, par leur attitude, par leur opposition, par le fait de laisser la chair dominer sur l'esprit, bien, ils attristent ton esprit et ils en empêchent la bénédiction. Seigneur, nous ne voulons pas te demander que l'Église soit en paix, mais nous voulons en fait que chacun d'entre nous, nous puissions être en paix avec toi, avec nous-mêmes et avec les autres. Parce que si nous sommes en paix avec toi, si nous sommes en paix avec nous-mêmes et si nous sommes en paix avec les autres, alors forcément l'Église sera en paix. Alors Seigneur, continue ton œuvre de paix sur cette église, ici à Reims, mais également à Fagnières, à Épernay, dans la Meuse, là où nous agissons aujourd'hui. Déverse ta paix. Déverse ta paix dans les cœurs pour que cette période de fête, eh bien chacun d'entre nous, nous soyons des porteurs de paix. Nous puissions transmettre la paix, transmettre la sérénité, que nous puissions transpirer tout simplement de la paix de Dieu et que ceux qui sont autour de nous puissent découvrir que nous sommes des artisans de paix et que
que nous sommes là pour les bénir. Merci pour ce que tu es en train de faire maintenant, dans le nom précieux de Jésus. Est-ce qu'on peut garder nos yeux fermés quelques instants? Et que vous soyez sur Internet ou que vous soyez ici, je vais terminer simplement par une prière pour vous, si vous le souhaitez. Si ce matin tu as besoin de la paix de Dieu dans un domaine ou particulier, eh bien je t'invite tout simplement à te lever à ta place, là où tu es. Si tu as besoin qu'au travers de ce message, la paix vienne toucher une partie de ta vie quelque part, eh bien simplement tu te lèves. Et tu laisses maintenant le Saint-Esprit te visiter. Et tu dis simplement, Seigneur, je suis là devant toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de cette paix surnaturelle, cette paix qui ne se fabrique pas, cette paix qui ne se demande pas, qui ne s'achète pas, mais cette paix que nous recevons tout simplement par la foi dans le Fils de Dieu, Jésus. Dis-lui au Seigneur ce matin, j'ai besoin de recevoir cette paix. Là maintenant, je veux partir de ce lieu avec cette paix. Je ne veux pas rester dans mes colères, je ne veux pas rester dans mes agacements, je ne veux pas rester dans mon amertume, dans mes aigreurs. J'ai besoin de ta paix, Jésus. J'ai besoin de ta paix. Alors lève-toi simplement là à ta place et ensemble nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, pour tes amis qui sont là, qui se tiennent debout à leur place, parce que ce message a touché leur cœur et qu'ils réclament ta paix maintenant. Je te demande de les visiter dans le nom de Jésus. Que cette parole ne soit pas simplement une parole parmi tant d'autres, mais je prie pour que cette parole produise du fruit dans les cœurs maintenant au nom de Jésus. Produise du fruit, produise une œuvre comme ta parole nous promet de le faire. Et ta parole de paix, elle vient, Seigneur, et elle vient confronter la colère, la haine, l'animosité, l'aigreur, la rancune, la dépression, au nom de Jésus. Ta paix vient s'opposer à toutes ces choses, afin de ne plus laisser la place au diable, mais de disposer nos cœurs à cette parole vivante, à cette huile fraîche qui va venir changer ma mentalité, mon esprit, qui va venir changer mon cœur, afin que je comprenne maintenant comment rester dans la paix de Dieu. Et Seigneur, je te prie pour que, comme nous l'avons lu, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, avant de le pratiquer, soit maintenant l'objet des pensées de mes frères et de mes sœurs. Développe ces choses dans leurs pensées. Amène-les à les méditer, afin que non simplement maintenant leurs pensées les enregistrent, mais que cela vienne inonder leur cœur, leurs émotions, leurs sentiments, et que cela vienne tout simplement influer leur action de vie et leur destinée. Change maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Parce que depuis que nous avons commencé à marcher avec toi, tous les jours c'est Noël pour nous. Parce que tous les jours tu nous fais des cadeaux. Tous les jours tu nous bénis d'une manière ou d'une autre. Et de vivre et de marcher avec toi, c'est juste extraordinaire. Alors à toi soit toute la gloire dans le nom précieux de Jésus. Amen.